Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Ciel 2018. Bienvenue à Paris. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome in the Ciel, welcome in Paris. Last day today for this Ciel in 2018, dernier jour aujourd'hui pour ce Ciel 2018. Et c'est une nouveauté cette année, it's brand new from this year. We start the day with a cuisine lesson. On commence la journée avec un cours de cuisine. Certains des plus grands chefs français et d'ailleurs viennent nous apprendre des techniques, nous apprendre à découvrir certains ingrédients et nous faire découvrir leurs plus belles recettes. Some of France's most famous chefs are coming every day to help us discover new ingredients, new techniques, and discover new flavors in this Ciel. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir un chef que j'aime beaucoup, and I'm very happy this morning to welcome Joanne Leclerc. Bonjour Joanne, bonjour chef. Bonjour Claude. Bienvenue dans la cuisine du Ciel. Welcome in La Cuisine by Ciel. Quel joli col vous avez, chef. Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Not everyone knows why he's got this very beautiful color here with blue, white and red. Bleu, blanc, rouge, c'est le col des mofs. Le col des mofs, ouais. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui ne sont pas français qu'est-ce que c'est les mofs? Alors c'est un concours de l'éducation nationale à la base. D'accord. Et donc c'est un concours qui est tous les 4 ans. C'est pas tous les ans. So actually, this color means he won a competition, a very important competition held every 4th year that concerns cuisines and concerns other jobs as well. Et ça veut dire, en fait, ça veut dire que vous vous êtes positionné comme l'un des meilleurs ouvriers de France. En cuisine, puisqu'il y a 130 métiers environ représentés. So there's 130 different categories in this competition, including cuisine, of course. And Chef Joanne has been elected as one of the best. C'est ça. Et il y a une dizaine de métiers autour de la les métiers de bouche. Enfin, comme pâtissier, boulanger, different jobs like pastry, bread, chocolatier, chef, chocolate, wine, all kind of different jobs that you can have. So in 2007, he has been elected one of the best. So this morning, you have the best. Alors ce matin, vous avez le meilleur, l'un des meilleurs. Très heureuse en tout cas de vous recevoir. Merci. On parlera de votre parcours dans quelques instants. We're going to prepare a very beautiful recipe together. On va préparer une très belle recette. Avant d'aller voir nos participants aujourd'hui, quel est l'intitulé de cette recette? Donc c'est un ceviche de bar, mais plutôt que de le servir froid, l'idée c'est de le réchauffer au dernier moment avec donc le vinaigre de nos éléments, c'est-à-dire du cornichon, des câpres et du jus de citron. Et ensuite, on va verser dessus un beurre noisette bien chaud pour vraiment ressortir tous les parfums du poisson plutôt que d'avoir quelque chose un peu bloqué par le froid. We're going to cook fish this morning with you guys. We're going to cook some base, ceviche style. But instead of serving it cold, we're going to heat it up just at the last moment. This is a chef's technique to have something very subtle and very fine. But now we would like to know more about you. Ils sont beaux, ils sont là. Ils sont à l'heure, ils sont géniaux. On va aller les voir. Tout à fait. Savoir à qui on a affaire un petit peu. So we're going to go towards you to know who you are. And I would like to know your first name and where you're coming from. On va vous demander vos prénoms et d'où vous venez. First name. Yes, your My second name is Zhang. Zhang? Zhang. I'm from China. From China. I am a chef. 中餐厨师. C'est la... il fait la cuisine... chinoise. D'accord. You, chef. Yeah, yeah. Anyhow. Bienvenue à Paris. Chef Yohan. Bienvenue pour ce cours voilà. de cuisine. Super. Alors, ici, on a deux autres, j'allais dire deux autres candidats. Non, deux autres participants. Two other c'est participants. Pas une épreuve. Hein. Non, c'est pas c'est une épreuve. Well, bonjour. Kalimera, in my language. I'm from Greece. I'm a chef also. And working in a distributor company in my country. And here I sit to follow the chef, the great chef. Ah, il vous aime beaucoup, chef. I'm his fan. Ah, c'est votre fan, c'est votre meilleur fan. Vassilis. Thank you. Okay, thank bienvenue. Thank you, merci. Bienvenue, Vassilis. Donc, il est un grand fan de Joanne Leclerc, c'est extraordinaire. Vous êtes fan en Grèce, chef. C'est extraordinaire. Laura, bonjour, Laura. Oui, bonjour. Moi, je suis vendéenne, donc je connais un petit peu le restaurant. Et j'ai juste de finir ma thèse en sciences des aliments. Donc là, je venais par curiosité prendre un cours de cuisine pour voir. Eh bien, soyez la bienvenue. Vous êtes de la même région puisque vous êtes Rochelais, chef. Région, non. On est non mais on n'est pas très loin, mais on n'est pas de la même région. Ouais. Ça dépend. De Grèce, oui, voilà. C'est à peu près la même région. C'est à côté. Bon, allez, on continue. On va aller voir nos autres participants. Bonjour. Bonjour.
Carole, je suis exposante sur le CIAL. Qu'est-ce que vous exposez ? Des Queen Amman pour la Bretagne. Oh. So Carole, our friend here, is exhibiting on the CIAL an incredible cake from Brittany. It's gorgeous, it's yummy, it's butter, sugar and flour, and that's it. Lots of butter, lots of sugar, and it's very yummy. Des Queen Amman, ça c'est bon. Allez, on fait rapidement le tour de table. Bonjour, hi, bienvenue. Hello, I'm Xavier d'Ecuador. Amo cocinar. I love to cook, and I'm here visiting CIAL for the first time. First time in the CIAL, welcome. Yes. Première fois au CIAL pour notre ami Xavier, qui est d'Équateur et qui adore cuisiner. You're very lucky. This is one of the greatest chefs. Super. Donc vous connaissez, you know the ceviche very well, for sure. Mm-hmm. OK. On va finir ensemble. Ah ben, c'est différent. J'espère bien. Allez, avant-dernière participante, bonjour, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Françoise, je suis parisienne et j'adore suivre les cours de cuisine. Et je suis au CIAL parce que ma belle-fille représente les gaufres du nord de la France. Ah. Et un régal, donc voilà. Françoise from Paris and her daughter is exhibiting at the CIAL some good products from the northern France. Great, waffles actually. Et dernière participante, last participant here, bonjour, hi, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Anna et donc je travaille dans le food. Anna. Oui, Anna. Vous venez d'où, Anna ? De Niort. Et j'habite Paris maintenant depuis quelques années. Anna from Paris. OK, welcome, bienvenue au CIAL. On a quand même des participants extraordinaires, chef. Tout à fait. Tout à fait. Bon. On va voir ça tout de suite plutôt. On va voir ça tout de suite et je vous propose sans plus tarder d'attaquer cette belle recette préparée par notre chef ce matin, Joanne Leclerc. Donc, ce que je vais faire, je vais finir de lever les pots de poisson pour que ça soit plus simple pour nos participants, en fait. Tout donc, je vais leur fait. Montrer. Avec la vidéo, si on peut, on so peut filmer d'un peu plus gonna, près. First thing we're gonna do, we're gonna take off, we're gonna fillet the fish, and Chef Yohan is gonna do it for you, so it goes faster, and then you have only the easy things to do. Donc là, il a été préalablement désarrêté. We took away the bones from the fish, from the base fish. Et donc là, j'enlève la peau, en fin de compte, sans trop forcer, pour pas trop récupérer la partie un peu noire sur le. Sur la peau. So what's interesting in filleting this fish is that you don't keep the black part of the flesh. Alors, vous avez de la chance là aussi parce que vous êtes tous assistés par une brigade de choc. You have some helpers with you on this morning and you are very lucky. They're great. They're students actually from one of the greatest French cuisine schools. Ce sont les étudiants de l'École Ferrière qui nous accompagne tout au long du CIAL, l'École Ferrière, partenaire de la cuisine du CIAL. So I hope you enjoy your helpers on today. And I wish I had the same in my cuisine at home when I cook. Je pense que je vais en kidnapper certains, je vais les emmener avec moi. Bah, ça peut être utile parfois. Ah, ça c'est sûr. Hein. Donc là, j'enlève la peau. So we take off the flesh. Chacun aura comme ça son poisson prêt à couper sur le biais. Ça, c'est le mien. Parfait, bah, je vais prendre celui-là plutôt. Je vais voir. Hop. En fait, là, on a choisi du bar. Est-ce qu'on pourrait le faire avec d'autres poissons ? On pourrait le faire avec d'autres poissons, des poissons un peu à chair ferme, en fait. Ça peut être du bar, du maigre. Pas trop les chairs à faire, à les poissons à chair un peu molle, comme le merlu ou le cabillaud. Ça marche aussi, mais c'est mieux avec... Une chair avec un peu de tenue. Le mulet aussi, ça marche bien aussi avec le mulet de fond. I was wondering if you can do this recipe with some other kind of fish than base. And Chef Yohan says, yes, voilà. You can, as long as the flesh is firm. Don't do it with cod, for example, because the flesh is not firm enough. Alors, okay, everyone has the fish. Est-ce que tout le monde a le poisson? Est-ce que tout le monde a son poisson, oui. So donc everyone's là, got the fish. Next step. Je vais le faire comme vous, avec le petit couteau. Comme ça, l'idée, c'est vous récupérer. Oui, donc parce le... que sinon, on va se dire, c'est trop facile, voilà. Il a un méga couteau. Voilà, c'est ça. Donc, vous récupérez le poisson, vous le posez sur la planche. So, you put it on your table. Alors, ici, il y a un sens pour le poser. Oui, il y a un sens. Le dos, en fin de compte, directement sur la planche. The back, the flat side, voilà. On the plank. Voilà. Et donc, avec le couteau, on ne va pas couper On va couper des tranches assez épaisses en fin de compte. We're going to slice the fish, but in pretty big chunks actually. Big, large slices.
Mais ce qu'on va faire, on va lui donner une petite incision, en fin de compte, de biais, pas au droit. We're going to go diagonal. Do not go straight, go really diagonal. Donc, si on peut voir à la caméra, donc, comme ceci, escalopé en fin de compte. So, in fact, we're scalloping. Donc là, vous voyez, c'est quand même un beau et gros morceau. Hein. C'est un gros morceau. Oui, c'est un beau pour et gros ceviche, morceau. Pour du ceviche, c'est un gros morceau. Ouais. On va dire que c'est l'entame, donc on okay. peut enlever, on so peut enlever cette partie-là. It's, hein. it's a big piece, it's a big piece. Voilà. And that's normal, that's what you're looking for. Go donc, ahead. L'idée, c'est pas d'escaloper trop fort pour pas faire des tranches fines. C'est vraiment un biais assez épais, en fin de compte. We're not looking for fine, transparent slices. We're really looking for larger pieces. Je vais aller jeter un œil tout de suite pour voir ouais, si c'est... Ça, c'est une bonne idée. On va aller voir comment ils s'en sortent. Tout de suite. Ouais. Parce que là, bonne idée. Avec le couteau. C'est la partie la plus importante. This is the most delicate là, part of your recipe. Good. Ouais. Dans l'épaisseur, c'est bien. C'est bien. So the thickness c'est une bonne épaisseur, good. Parfait. C'est très bien. Voilà. Super. Là. Alors ouais, ça va marcher aussi, mais l'idée c'était de rester bien droit en fin de compte. Je vous montrerai sur Est-ce le. Est-ce que les morceaux sont assez gros, chef? C'est assez gros. C'est D'accord. assez gros. C'est le principal en fait. Quoi. D'accord. Voilà, c'est parfait. As long as the pieces are big enough, we're fine. Parfait. C'est parfait, ouais. C'est parfait. Mais pour la présentation, on va le mettre de ce côté-là en fin de compte. De l'autre côté. Hein. So you just turn it around. Ouais. Alors là, c'est un peu fin. On est un peu plus dans le carpaccio là. It looks more like carpaccio. This is not what we're looking for. Ça va marcher aussi, hein. Ça va fonctionner. D'accord. Aussi. C'est pas trop non, grave. Non, c'est pas trop grave. It's gonna le work temps de marinade anyway. Sera un peu moins long en fait, compte. Ok. Et là, and the ouais, last, but not pareil. Least. C'est un peu fin, mais ça va marcher quand même. It's a little bit too small. C'est bien. L'idée de cette recette, comparée à un carpaccio, c'est qu'il y a vraiment de la mâche en fait. We're voilà. really looking for big chunks so that you can chew. Your fish when you're eating it. Donc je vais vous montrer la fin du taillage du poisson. Hop. So I'm going to show you the end of the filleting and the cutting of the fish. L'idée pour faire des beaux morceaux, c'est toujours être en parallèle avec la planche et de suivre en fin de compte le côté naturel où il est positionné sur la planche. So Chef Johan is giving you a trick here for successing in doing beautiful pieces. You really follow your plank. And you really lie on your plank. Et d'être, en fin de compte, d'avoir le morceau qu'on coupe entre les mains et pas rejeter les éléments. Really, you hold it in your hands and you pull it towards you with your knife and not the other way around. Bon. Ça, c'est pour vous ici, là. Ouais. Ça, j'ai oublié votre prénom. Ça, c'est pour vous. Ouais, on ramène à nous. Ouais, on ramène à nous. Ouais. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, on a un petit garde-fou, c'est les doigts. C'est-à-dire quand le couteau rencontre les doigts, ça fait qu'on mal. A été trop loin et on a été trop épais. Voilà. D'accord. So it's very interesting because your guide is your fingers. If your knife meets your fingers, that's not what you want. Obviously, it means it's too fine. It's Voyez. Not thick enough. Hop. Donc l'idée c'est quand même quelque chose d'assez épais. Hein. We really want to have something thick. It's not a carpaccio. Voilà. Super. Ce qu'on va faire, on va l'étaler un petit peu comme ça sur sa planche. So we're going to spread it on the plank. Voilà, comme ceci. There you go. Bien à plat. Make ça en sure fait déjà beaucoup plus, hein. Make sure it lies on the plank. It's very flat. Voilà. If you're not okay, you raise your hand. Si ça ne vaut pas, vous levez la main. Et là, on va faire l'assaisonnement, en fin de compte. And we're going to work on the seasoning. Donc pour l'assaisonnement, on va prendre du sel, tout simplement, et du piment d'Espelette. First, you take your salt. Donc and là, then on assaisonne, mais comme il faut, c'est-à-dire avec une bonne quantité. On en met beaucoup. On en met beaucoup, ouais. And pas trop, mais beaucoup. Don't hesitate on the salt. Il faut être un peu généreux sur le sel. You have to be generous with the salt. Pourquoi ? Parce que encore une fois de plus, on se retrouve avec quelque chose qui est très très épais, donc il faut que ça pénètre. Ouais. Because of the thickness of the chunks,
really it has to penetrate, so be generous with the salt. And now another beautiful ingredient coming from a beautiful region between southern France and northern Spain, which is the Basque country. It's a special pepper from the Basque country. Espitelacobipera. Un petit peu de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Je suis fan aussi. J'utilise de plus en plus de piment et on enlève de plus en plus le poivre dans tout ce qu'on fait. Voilà, donc là, on va laisser le poisson comme ça, le temps de faire les autres préparations. On va le décaler sur le papier sulfurisé, là, comme ça. So, you put it away for the moment, on the baking paper. Bon, ça va aller. Avec le couteau, comme ceci, on a un papier sulfurisé, on peut les mettre là, comme ça. There you go, you just leave it aside. Donc là, on est bien assaisonné. Now it has been seasoned well. Voilà. Un petit coup sur la planche, léger. You wipe the plank, make sure it stays clean. Et là, on va préparer tous les éléments en fin de compte de la garniture. And we're going to prepare all the other elements. Alors, on a besoin donc des capres. So we need the capers, the giant capers. Des cornichons. The pickles. Des échalotes, du radis, de la carotte et de la betterave. Shallot, radish and beet. Et là donc on va commencer par le cornichon. You start with the pickle. On fait une bonne entame. Gourmand. C'est bien. Un chef pas gourmand, je me méfierais, moi. Ouais, moi aussi. C'est bien. Et là, on fait des tranches. And you're allowed to taste. Alors, and you must taste everything. If you feel like tasting anything, go ahead. L'idée des tranches, c'est pas une tranche trop fine. Don't encore make une fois it too de plus, small. On cherche la mâche. Ouais. We're looking for something we're going to be able to chew. So make sure your slice is thick enough, even for the pickle. Parfois, trop fin ne veut pas dire bon. Hein. Sometimes too thin does not mean more delicate or better. Bah pour une assiette, un cornichon va suffire. So for only one plate, we can use only one pickle. Voilà pour les cornichons. And there we go. Le capre, on va pas faire grand chose. On va enlever la tête, take au moins your, for the caper, la queue, en fin de you compte. Take away the bell part of the tail. Trois capres, c'est bien. Trois, quatre capres. You take three, four of them. Pour capers. Une assiette, c'est bien. Ouais. And you remove the end of the tail. C'est énorme, hein? Ouais, ils sont gros, ouais, c'est les capres italiens, ils sont très goûteux. Donc on garde bien la queue en fin de compte et on coupe juste la pointe. Si on n'en trouve pas, on peut prendre des capres ordinaires. Des capres, ordinaires, tout à fait, des capres ordinaires. D'accord. Et là, pour la décoration, on va couper une base pour que ça puisse tenir debout comme ceci. And you cut down the bases so it can hold in your plate. That looks prettier. The plate is going to be pretty, pretty. Pretty, pretty. Vous parlez bien anglais, chef? Non, pas non, du tout. Même je pas. Rigole comme ça, là. Mais... Ah bah, il comprend tout ce que je raconte. Non. Alors, en fait, je peux raconter n'importe quoi. Voilà, faire une autre exactement. Recette à côté, vous ne rendrez pas compte. Ouais. Ah, si tu rigoles, en plus, moi, je rigole aussi. Je fais... bah, hey, la fine équipe. Hein. Et Mélissa rigole équipe, aussi. Ouais. Donc voilà, ça, c'est la fine équipe. Hein. 16. On va faire la même chose avec le radis. Merci, oui, bien sûr. Exact. So now we cut the radish. Pareil, des tranches. Slices. Elles sont toutes fines, vos tranches, là. Ouais, là, elles sont plus fines que le radis, là, que le... La capre. Le cornichon et que la capre, oui, en effet, puisque la capre ouais. est vraiment ah oui. épaisse. So you voilà. cut your radish in slices. Ça aurait voilà. été Frédéric Jauneau, il aurait fait des sculptures, là, ah comme oui, ça, ta-ta-ta-ta. Notre ami Frédéric. Pareil pour la carotte. Il n'y a pas une carotte qui passe à côté de lui sans que tout d'un coup, toc, 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 toc. Là, on ne va pas faire toute la carotte, on va faire aussi quelques tranches. Hein. So we're just going to use some slices of your carrot. 4-5 tranches. Voilà, 4-5 tranches, comme ceci. Voilà.
J'ai une petite assiette, moi j'ai triché, donc pour ranger tous mes éléments. Ça, ça va venir pour et la décoration et l'assaisonnement. So this will be both for the seasoning and the decoration. Voilà. À côté de ça, on va faire donc une échalote ciselée. Besides that, you take your shallot. Mais juste la moitié suffira. Half of the shallot will be enough. Alors, vous coupez l'échalote en deux. So your shallot, you cut it in half. Je vais faire un petit tour quand même, ouais, pour on voir, va aller voir comment ils s'en sortent avant de faire l'échalote. Parfait. Alors on voit le tour de main du pro. Good. Tout va bien. Hey. Tout va bien, ouais. L'échalote est grosse, hein, on fera juste la moitié, ça, même la moitié de ça suffira. Ouais. Parfait, tout va bien. Parfait. C'est parfait. Et c'est parfait. C'est un peu épais, mais ça ira. Trop fin maintenant, trop épais. Ça fera le mix. Voilà, parfait. Donc tout va bien pour l'instant. Ils sont bons, hein? Ouais, c'est super. Ils sont top. Donc là, échalote ciselée. Donc l'idée, encore une fois de plus, c'est pas de travailler un peu n'importe comment sur la planche, c'est de travailler en face de soi. So be careful pas how comme you ça. Work. Donc don't comme work, ça. Don't work on the side, work in front of you. On regarde bien ce qu'on fait en fin de compte. So you watch carefully what you're doing. Donc là, on fait des tranches assez fines, le plus fin possible en fin de compte. And then you mince your shallot as small, as finely as you can. L'exercice, il est simple, il est de faire le plus fin possible. Voilà. Une fois qu'on a coupé cette partie-là, on le fait dans l'autre sens. And once you've done it one way, you do it the other way. On essaye de faire deux étages de coupe. Try to make a couple layers. Et là, on coupe fin. And then you mince it. Finally. Voilà, ça suffit, hein. There we go. This is enough. Ouais. Hop. Là, on va faire pareil pour la ciboulette. We're gonna do the same with the comme ça, on va pouvoir mélanger les deux, en fait. Because we're gonna mix both. We're gonna mix the shallot and chives. On enlève les moches. So you take away the ugly ones. Toutes celles qui pendouillent, voilà. On enlève les moches et ceux qui pendouillent. On y soit qui va y penser. Alors, pour ne pas se couper, pareil, là, il faut ranger ses doigts. Make sure you're careful about your fingers. Avec les deux doigts extérieurs du bas, du moins. Le pouce et le rikiki. Voilà. So you make sure you take your thumb and your last finger, you grab them all together. You grasp your chives. Avec les autres doigts, on vient serrer en fin de compte tout. And toute la ciboulette. With the other fingers, then you hold your chives. Et donc le haut des doigts fait le guide en fin de compte. Et l'idée, c'est de le faire le plus fin possible. The top of your finger acting as a guide next to your knife, and you do it as finely as possible. C'est une super technique, ça, chef. Ouais. Merci de nous apprendre ces gestes de cuisine. C'est important, les petits c'est gestes. C'est important, ouais. All the gestures are very important in cuisine. Et donc là, à chaque fois que je remonte, je tape dans mes doigts. Donc, il ne faut pas lever trop, sinon ben là, on vient finir par se couper. Donc, le haut du couteau vient faire appui sur la partie basse des doigts. The blade of your knife is going against your chives and following your finger. Un petit peu, ouais. Autant it's que la ciboulette. It's a very beautiful gesture. So voilà. You do as much as the shallot in terms of quantity. On peut mélanger les deux, comme ceci. Then you mix both. Voilà. Voilà. Magnifique. Alors ça va donner de la puissance un peu au plat. Hein. This is going to add some burst to your dish. On conserve. On fait ça bien propre, hein. Bon, je ne fais pas Jamie Oliver, hein. J'en mets pas partout, je cours pas dans tous les sens. Surtout, faites-nous du Johan Leclerc. Voilà. Là, on est très content avec ça. Parfait. Très, très content. Ensuite, on va faire le petit guacamole et la petite dernière garniture qui est,
qui est avec la betterave. On va le faire en tout dernier parce qu'il faudra mettre le gant pour éviter de se salir. D'accord. Donc là, so on va prendre l'avocat. We move on to the guacamole. So you take your avocado. Donc on doit avoir un cul de poule, pas très loin, je crois. You have a ball. Yes, you do. Mm. Non, il est là. Donc là, on le coupe en deux, comme ceci. You cut your avocado in halves. On le sépare en deux. You take one half. Et là, l'idée, c'est de ne pas se blesser, en éviter de mettre un coup de couteau comme ceci, là. And we si have vous a faites trick. Ça, c'est, comme c'est très lisse, en fin de compte, ça dérape, et bien souvent, on se coupe. Donc, so, deux solutions. So, we have a trick here, because you don't want to cut yourself. Lots of people put the knife like this. Don't do it, okay? So, Chef Johan has a trick that he's going to show you. Donc, quand on a le plus l'habitude, on met un petit coup comme ceci. When mais use, ce qu'on you, peut faire you hit pour, it. Pour encore jouer un peu la sécurité, on pose sur le noyau comme ceci. Et là, avec son pouce, on appuie dessus bien fort. On fait un quart de tour et voilà. C'est génial ça. That's a very good trick. Did you get it? You là, put your blades on the pit. Là, on évite okay? en fin de compte. You press down a little bit and then you turn it a quarter of the avocado. So it goes away by itself. So you take away the stone, it goes away by itself. C'est un super truc, ça, chef. Là, on va gratter donc l'intérieur. And then with the on récupère spoon, tout, en fin you de take compte. All the flesh. Tout le monde a compris le petit truc pour enlever le noyau d'avocat. C'est génial, ça, quand même. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi il n'y a pas des vidéos sur Facebook qui nous montrent ah, ça? C'est ouais, vrai, c'est hein? des petites choses simples. Mais des petits gestes comme ça qu'on a besoin fait, de savoir que vous savez que nous, on ne sait pas à la maison. Oui, donc, oui, regardez. Ouais, voilà. Ben voilà, super. So you cut it in half, the avocado. Yeah, you open it up. Donc là, on va faire un petit guacamole léger avec la fourchette, en fait. Gonna, on prend une fourchette. We're going to take a fork and crush the avocado in order to make the guacamole. Donc là, on écrase. So you crush it. Qu'est-ce qu'on on va assaisonner. Qu'est-ce qu'on oui. va aller chercher comme texture là? Est-ce là, qu'on a quelque chose, quelque de chose très assez lisse, ouais. D'accord. Donc on n'hésite pas. On... So we're really looking for something smooth. So don't hesitate. With your on fork. Va assaisonner donc sel et piment d'Espelette. We're gonna season it with salt and with Espelette pepper. Voilà. Basque pepper. Et le citron vert. Espelette pepper ou basque pepper? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Au piment d'Espelette. Au piment d'Espelette. Ouais. Ou en basse, Ispitala Cobipera. Le citron, encore une petite technique. Donc, you take your lime, OK? Next, you take your lime. And yet another technique, Chef Johan is going to show us. Alors, c'est juste pour de la petite décoration, en fin de compte. Plutôt de le couper directement comme ceci. Instead of cutting it directly like this, watch everyone, regardez-nous. C'est un petit bec, en fin de compte. Donc, on fait une petite incision comme ceci, ici. We're going to go by the side. Ensuite, on va chercher le citron en le coupant comme ceci. And then you cut it in presque half, jusqu'au bout. Almost until the end. On le retourne. You turn it down. Et là, on fait la même chose ici. And you do the same on the other side. Oh, c'est chouette ça. Et là, on se retrouve avec deux becs verseurs, en fait. Oh non, alors là, chef, moi je dis bravo. Mais c'est un truc classique de cuisine, vous ouais, l'avez inventé ouais, ouais. Non, non, j'ai jamais vu ça. On n'invente plus rien en cuisine. Non, mais vous êtes incroyable. Voilà, donc on se retrouve avec deux petits becs verseurs. And then you can power tout mignon, tout beau. Donc, your lime with this. Voilà. C'est génial. Donc, dernière technique pour faire du jus de citron rapidement, plutôt que de sortir le... Alors, vous avez bien vu, hein, en fin de compte. Hein. La petite incision, je peux remontrer. So first you start la petite with the incision side. Comme ceci. Après, on va couper le citron en deux. And then you cut on le retourne. Half. Turn it down. Et une fois qu'il est là, tac, on remet une incision ici. Voilà. On se retrouve avec deux petites incisions pour... Avec le bec verseur intégré. Avec le bec verseur intégré. Intégré. Formidable. Et donc là, pour le presser, plutôt que d'avoir un presse-agrumes, là, on le tient bien fermement entre ses mains. So to press it, it's very easy. You hold it firmly in your hand. On prend une fourchette take au milieu. Take a fork, put it in the middle. Et là, on presse. And you press. And you move the fork. Voilà. Back and fork. Donc, on va dire, comme j'ai mis déjà pas mal de citron, un demi comme ça, c'est bien. So half a lime is fine. Voilà. Donc là, on peut finir, en fin de compte, notre petit guacamole.
Then the guacamole is almost done. On le crase bien. You crunch. Dès qu'on ressent une partie un peu dure, on la supprime. If you feel a part that's too hard, that doesn't want to crunch, just put it on, you put it away. Sinon, ça passera pas dans la petite poche qu'on a prévue à cet effet. Ah oui, parce qu'on va le douiller. Ouais. D'accord. On va douiller, ouais. On va douiller, tout à fait. Comme David. Alors, ce qui est très important à chaque fois quand vous faites quelque chose, toute préparation mérite dégustation. So what's very important? Every time you prepare something, you taste. Pour vraiment juger donc l'assaisonnement. Donc là, on goûte avec sa fourchette. So we want to check the seasoning. On est bien, on est bien. Là, on rince sa fourchette, comme ça, on est so bien. So don't hesitate to add some more salt, more Basque pepper, or more anything. Really taste it. It's very important that every step you taste everything you do. Et là, pendant ce temps-là, gentiment. Oui. Notre bar, il est en train de mariner. En fin de compte, là, on voit, si vous regardez bien un peu votre poisson, le sel commence à pénétrer, il fait sortir un peu l'eau du poisson. Ouais. Et donc, il commence un peu à s'assaisonner à cœur, en fait. Meanwhile, if you look back at your fish, you see the salt is penetrating in the flesh. So there's some water that's starting to spring out the fish. That's very interesting. Donc là, avec la Maryse, on va remplir la poche. So now, we're going to fill up the bag. Vous ramenez bien tout sur votre main, comme ceci. You put your hand like this. Ça, c'est le geste avec votre main. This is the right technical gesture. Comme ceci, comme si c'était un verre ou autre. Et là, vous passez donc dans la poche. Okay. Et là, comme ça, vous pouvez bien tout mettre à l'intérieur. Et en fin de compte, avec la Maryse, on vient essuyer le bord de la Maryse sur ses mains, qui sont protégées par la poche. On a notre chaton, là, elle tient trop haut. Est-ce qu'il faut le tenir? Elle tient trop haut, ouais. Voilà, il faut tenir vraiment au niveau de la base. Ouais. Ça, c'est bien quand on en a beaucoup à mettre. Mais là, comme il y en a vraiment très peu, il ne faut pas hésiter à utiliser la taille de la poche. Voilà. Voilà, ça, c'est fini. Super. OK. Voilà. Donc là, on a notre... Ah, ils suivent, ils sont bons. Hein. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Is everyone OK? OK, if you're not, you raise your hand. Là, on va faire une petite crème au soja. Now, we're going to move on to something else once you're done with this. And as you're finishing your guacamole with the avocado, on le laisse dans la poche, on fait rien. Ouais, on le laisse dans la poche. You put it aside. Once it's in the pocket, on va en avoir besoin pour le dressage au dernier moment. Okay, we'll use it at the last moment. Okay, we move on to the cream here. We have soy milk, is that it? Du lait de soja. Non, c'est de la crème. C'est de la crème, crème liquide. C'est de la crème. Crème liquide. This is plain liquid cream of cow's milk. No, I'm asking. Donc là, de la sauce soja, on va dire, on va là par rapport à la recette, on va mettre. This is now soy sauce, and as for this recipe, on va mettre au-dessus à peu près une bonne cuillère de soja. We put one tablespoon actually, of soy sauce. In et là, the cream. On rajoute du citron vert encore. We add up the rest of the lime. Alors vous voyez juice. Le geste avec la fourchette en Watch fin de carefully this gesture with the fork. That's your technical gesture. You really want to learn this. Voilà. So you really take away all the juice from the lime. Là, vous mélangez simplement comme ceci. Vous allez voir. And then you mix. Un truc de dingue, c'est que ça va épaissir tout seul. And believe it or not, it's going to thicken by itself. Oui, il y a une question là derrière. Pardon? Bon, Sixtine, tu peux apporter les récipients si tu fais ce qu'il faut là. C'est prêt. Ce qui manque. Vous avez vu le temps qu'on a mis pour faire de la crème épaisse? So see the cream, how thick it is now. It's magical. Qu'est-ce qui fait que... Alors, moi j'ai une question, chef. Oui, c'est l'acide citrique en fin de compte. C'est le citron. Alors, c'est le citron qui est mélangé, épaissit. C'est une réaction chimique, ça. Une réaction chimique en fin de compte. Oh my God, this is so interesting. It's a chemical reaction. It's because of the lime juice, and it works as well with lemon juice. That's what makes the cream become thick very, very fast. Alors là, on cherche pas quelque chose de très épais, sinon il faudrait le fouetter.
Et si on le fouette, on va redétendre encore la crème. Il va falloir le refouetter pour que ça soit bien serré. D'accord. Là, en quelques instants, on a fait une petite crème d'assaisonnement qui est, so in qui seconds, est parfaite we have et qui va donner vraiment de la puissance en fin de compte just au plat. Perfect. It's going to give, it's going to add something powerful to this plate. Voilà. Donc, il nous reste juste la betterave à faire. Donc là, il va falloir, je vous invite à mettre des gants. So the last thing we're going to work on is the beet. Because of the color, I invite you to put your gloves on. Le chirurgien des aliments. Chirurgien des aliments, oui. Voilà. Vous pouvez le faire aussi sur un papier sulfurisé plutôt que sur la planche. I suggest you do it on your baking paper instead than on your plank. Pour la simple et bonne raison que quand il y a de la betterave sur une planche à nettoyer, c'est juste l'enfer. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est pratique, chef. Donc, si on... Because if you put the red color of the beet on your plank, then to clean up, it's really hell. So don't do it. Really put it on the paper. Vous prélevez un bout de betterave puisqu'elle est vraiment grosse. So it's a big one. Just take a piece, this big, ouais, bah, more on va, so. On va le faire à la main. Ils n'en ont pas, eux. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de mandoline. Donc là, sur ce morceau-là, ben, on va l'éplucher. So fortement. this piece, we're gonna take off the peel and be very generous in taking off the peel. Pour lui donner une forme un peu ronde. Because we want to make it somehow round. Ma mère m'aurait vu faire des épluchures de cette épaisseur-là, je me serais fait engueuler. Hein. Oui, mais bon, la betterave, c'est vraiment juste pour donner un petit peu de goût, donc c'est pas très écologique. Mais So make it round, and the beet really, it's for giving it a special taste. Et donc là, it's pareil, just for fun. L'idée, c'est de faire des tranches assez fines. Make very fine slices. D'autant plus qu'elle est crue. Elle est crue, ouais. Et ouais. Justement, ça va donner de la mâche encore. And it's raw, so make sure your slices are really, really thin. Assez fine. And it's interesting because since it's raw, it's going to add some texture. It's going to be crunchy. It's very interesting. Assez fine, mais pas non plus très, très fine, hein, puisqu'on va faire des bâtonnets avec. So make sure you have just the right thickness because then we're going to cut it in small sticks. Voilà. Et ça, on va les mettre dans l'eau, dans un peu d'eau. So we're going to put it aside in a bowl of water. If you don't have some, we're going to bring it to you. Voilà, on va mettre ça dans l'eau. On va mettre ça dans l'eau. Voilà, super. Si vous n'avez pas d'eau, on vous en apporte. Voilà. Vous allez voir tout de suite, ça décolore. Comment fabriquer de l'eau rose? Voilà, c'est ça. Donc, on a tous nos éléments. So now we have all the ingredients. On va passer donc à la phase finale. And we're going to attack the last step of this recipe. On va donc dresser notre assiette. The building up of the plate. On arrive à la fin, en fin de compte. Donc, because we're touching the end. This is the end. J'ai pas d'assiette. Ben, la grande assiette, comme tout le monde. Is everyone okay? Est-ce que ça va bien, tout le monde? Okay? Là, on a le beurre. Donc là, c'est... We didn't use the butter. On va le faire chauffer, le beurre. So we're gonna avec heat le fouet. Up, we're going to heat up the butter and make sure you take your whip. Donc on met tout le beurre. Le feu, vous le mettez comment? À fond. À fond. Ouais, à okay. fond. OK. The heat, make sure it's very high. You put it at on maximum. Non, non, il y a les grandes assiettes. Tout le monde a une grande assiette, donc il me faut une grande assiette. So you put the butter in the pan on the heat and the heat at maximum. While you put aside your beet sticks in the water, hein, les bâtonnets de betterave donc reposent dans l'eau. Pendant ce temps-là, je vous propose de vous faire une petite recette vite fait. Ah, bonus, du contenu bonus. Ça c'est bien, j'adore, chef. Alors d'abord ça, ensuite ça et ensuite ça. Parfait. On va avoir une recette bonus. Donc là, on fait bien chauffer le beurre. À côté pour mon autre recette. Make sure your butter is melting and it's warm enough. C'est autre chose, ça. Hein. Je vais cuire de la chair à saucisse. So totally different. While the butter is melting, I'm cooking some sausage meat.
On la cuire comme ça. Voilà, voilà, très bien. Donc là, à côté, on a notre beurre qui fond. So the butter is melting. Et on est prêt à faire un kouign-amann. Non. Voilà, pour l'instant, il est juste fondu. So the butter is melting. Une fois qu'on a ça, on le maintient de côté. Once it's melted, put it on the side. Do not let it get brown. Juste le beurre fondu pour l'instant. Just melted. Voilà, on ne le laisse pas brunir, hein, pour le moment. Non, 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 pas pour l'instant. OK, juste fondu, le beurre juste fondu. Just melted. On tient prêt, en gros. Tiens, tu peux me l'ouvrir. Et tu mets un peu d'huile avec. Voilà, donc là, on va dresser, on va passer au dressage de notre assiette. So, now we're going to start the building up of the plate. Donc là, l'idée, c'est d'être un peu partout comme ceci. And you put your fish a little bit everywhere, like this. Pourquoi, chef, vous appelez ça un ceviche et pas simplement un carpaccio? Parce que pour moi, un ceviche, il y a des gros morceaux. D'accord. C'est en partie en mâche. Et là, un carpaccio, c'est quelque chose de très fin qui va combler l'assiette complètement. Et pour moi, c'est pas la même chose, quoi. I'm asking chef Joanne Leclerc why is he calling this a ceviche and not a carpaccio? And he said because of the chunks, they're bigger, they're much larger. Donc là, on essaye de mettre un peu de poisson un peu partout. So you put your fish a little bit everywhere. On occupe un peu toute l'assiette, quoi. Occupy the plate. Bon, là, il y a beaucoup, hein. Mais bon, en même temps, comme on va manger, on va déguster. So spread your fish everywhere on the plate. Voilà. Juste à côté, vous avez donc le vinaigre des câpres et le vinaigre des cornichons. Aside, you take the vinegar from the dills and the vinegar from the capers. On a un récipient ou quelque chose? Ils ont un récipient aussi pour pouvoir faire le mélange. Donc les deux vinaigres. Hein, les deux vinaigres. Des câpres et des cornichons. On les mélange, donc je ne sais pas si vous avez ou un verre ou quelque chose. Mix them into un verre en plastique. Something. C'est quoi ça? C'est l'huile, ça? Ah, c'est l'huile d'olive. Voilà. There donc on mélange les deux. You mix it both vinegars. On rajoute l'autre demi-citron. You add the rest of your lime juice. Et là, avec une cuillère, and then you take a spoon, on va verser. And you pour some of this. On mouille bien le mixture on your fish. Alors, faut être généreux, hein. And don't hesitate to be generous. Ça sent bon. And you voilà. Make sure you're very generous with that. Et ça, ça va continuer à travailler le poisson, en fait, parce que là, on a la réaction oui, avec l'acide. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Là, on continue la cuisson, en fin de compte. So it's cooking, sort of, the fish, because of the acidity. On va attaquer donc la petite décoration avec la crème, comme ceci. On met un petit peu de crème sur quelques poissons. We decorate every fish chunk with some of the cream. Don't hesitate to do it with your fingers. Essayez de faire des petites quenelles avec le doigt. On dit toujours de goûter ce qu'on prépare. Toucher ouais. ce qu'on prépare, c'est important aussi. Ah oui, bien sûr. C'est, ouais. c'est tactile hein, comme métier. Hein. Et on essaie d'en mettre un peu partout. Comme ça, tout le monde sera content. Super. You're doing well. Formidable. Vous pouvez prendre vos doigts, voilà, allez-y, n'hésitez pas. Et soyez généreux avec le vinaigre au fond. Oui, il faut, ouais. que ça, il faut qu'il y ait comme un peu de, faut un ça peu baigne. De soupe. Il ouais, faut que ouais, ça baigne. Faut ouais. que ça baigne. C'est ce qui va faire la sauce en fin de compte. Make sure you're generous with your vinegar here. On retourne. In the plate. Super. Là, on a nos petits éléments à côté, là. So now we have the vegetables on the side. On met quelques radis comme ceci. Just put the radish.
the dills, the capers. Quelques tranches de cornichons. You go freestyle, you follow your inspiration. Exactement, freestyle. Freestyle. Les capres. Hop. The pickles. Le guacamole. Alors ça va rajouter un peu de douceur au plat en fait. Now the guacamole. What's interesting is going to add some sweetness to this plate because we have something very acid. And now with the guacamole, we're going to add something sweet. On coupe la pointe. You cut the end of your pouch. Don't cut it too big. If you're not sure, ask your helper. She knows, or he knows. Alors, si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre commis. Normalement, il sait. Il sait. Ou elle sait. Le mélange échalote-ciboulette. So the shallots and the chives. Un petit peu sur chaque. Un peu partout, ouais. A little bit on every piece. C'est beau. La finesse du taillage m'impressionne. Ouais. C'est important, ouais. Ouais. A little bit on every piece. C'est magnifique. En plus, c'est plein de couleurs. Ouais, l'idée, c'est très coloré. Ah ouais, c'est magique. Très goûteux. It's full of colors. Hopefully voilà. Full of tastes, different tastes. Super. Il manque la betterave. Les petits bâtonnets de betterave, alors on prend un peu de sopalin. So si on take en a. A little bit of Scott towel at the end. On les égoutte. Taking a beat. Make sure they're dry. If you're missing something, raise your hand. Si vous manque quelque chose, vous nous dites, on vous apporte. Et voilà, on vient les disposer dans l'assiette. C'est super. Là, un peu partout, comme ceci. Sans crier gare. Gare. Les petits croutons. Now the bread crust here. Ah, j'ai une coupure au bout du doigt, c'est pas facile. Ah, ça c'est le plus moche endroit pour se couper. Non, ouais. On les pose. Alors, on les pose sur le guacamole. Your croutons, your bread crust, you want to put it on the guacamole. Pour la simple et bonne raison que si on le dépose ailleurs ou sur le poisson, on peut le mettre sur le poisson. Or on the fish, actually. But there's a good reason for that. If you put it somewhere else on your plate. Si on le laisse dans le bouillon, dans cette espèce d'assaisonnement vinaigré, on va se retrouver à avoir quelque chose de très, très mou, ouais, du coup. Et ce n'est pas bon. Ce qu'on a recherché. En Because fait. If you put it on the vinaigrette, it's going to absorb the vinaigrette, and that's not what we're looking for. Voilà. So what's cooking, chef? Il y a quelque chose, il y a une surprise là, de ce côté-ci. Et là, on va finir la recette avec le fameux beurre. We're going to end up the recipe with our butter, which has melted. Hein, le beurre qu'on a fait fondre tout à l'heure, qu'on a mis de côté. Ça se passe bien. Tout va bien. C'est parfait. Super. C'est parfait. C'est parfait. Super. Super. Parfait, parfait. Parfait. Je vais faire des photos. Hein. Ah oui! Faire des petites photos. Et puis on fera une photo souvenir à la fin. Alors comme ça, avec les plats. Ah ouais, voilà. Excellent. Good job. Comme ça, avec les plats. Regardez-moi. Cheese. 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 Hey. Et ils ont bien bossé. Super. C'est super. Hey. Super. Magnifique. Allez, on y retourne. Le beurre, donc, il a fondu. Alors, le beurre est fondu. On l'a mis de côté. Voilà, on le remet bien. Préparez-vous parce que ça va aller très vite. Now, be ready because it's going to go very fast. Vous préparez une cuillère bien propre. You take a spoon. Bien sèche également. Which is dry and clean. Et bien sèche. Everyone in the starting blocks, okay? Make sure your spoon is clean and dry. Et là, en fin de compte, on va faire un beurre noisette. Alors, pour faire du beurre noisette, and we're gonna make a brown butter, okay? Il faut tout le temps fouetter. On va, so on va mettre your l'assiette whip ici. All the time, constantly. Tac, 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 tac. Non. Use your whip.
Donc là, on n'arrête pas de fouetter, en fait. Never stop with your whip. Go, go, go. On a la cuillère à proximité. Hop. Make sure you have your spoon near enough. And never stop whipping. Tu peux me donner un cul de poule pour faire ma... Ici, là-bas. Donc là, vous voyez, le beurre est complètement fondu. So see, the butter is totally melt. En plus, là, il boue. Pardon ? Il boue. Il boue, ouais, il boue. Plus, l'idée, en fin de compte, c'est de donner la coloration à la casinée et au petit lait. What le résidu. What we're looking for is the brown color that has been given to the casein and what we call the little milk. Alors un beurre noisette, c'est pas noir. Donc dès qu'il commence à colorer, c'est prêt. Brown butter is not black butter. Be very careful. As soon as it's going brown, it's done. Hop, vous voyez, ça commence à prendre un peu dans le fond. Il commence à avoir les petites colorations. Là, on est presque arrêté. Vous voyez là ? Ouais. And it goes very fast. Voilà, dès que ça y est, c'est prêt. Voilà. Hop, then, là, on arrête. Et voilà, there we go. On prend la cuillère. So, very fast. Et là, on verse bien chaud. Regardez, ça fume dessus. Vous voyez ? You take your spoon and you pour your brown butter on your ceviche. Really at the last minute. And go fast. C'est extraordinaire. Voilà, c'est prêt. Et voilà. Et voilà. There you go. Hop, j'ai un peu débordé, comme dirait l'autre. C'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est fini. Tu peux faire une petite vidéo? Petite vidéo avec les gens là-bas. So there you go. Donc là, l'idée c'était de mettre quelque chose de chaud sur quelque chose de la température. The idea was to put something warm on something cold. So we have this temperature contrast. Et là, le fait que tout soit tiède, on va avoir une autre dégustation. And now everything is lukewarm, in fact. So the degustation is going to be somehow different. Et là, pendant que ça marine un peu, je vous fais voir la deuxième petite recette. Ça va aller très bien. So while we leave it on the side, cool down, I'm going to show you the bonus recipe. La recette bonus. La recette bonus. So this is sausage meat. C'est de la chair à saucisse. Ouais, chair à saucisse. Qu'on a mis tout à l'heure, juste avec à peine un peu d'huile. Voilà. Je vais hacher un peu de chair à saucisse. We're going to mince it now that it has been cooked. Hop. Ça, c'est la petite recette bonus en attendant que ça finisse de bien mariner. Tu peux mettre de l'huile à chauffer, la bouteille. So now this is the bonus recipe. While the ceviche is finishing up, melting all together, all the flavors. Ouais, s'il te plaît. Et tu fais chauffer à fond. We are mincing the sausage meat that has been cooked, roasted in a pan. Donc ça, c'est de la chair à saucisse, toute simple, hein, qu'on trouve dans le commerce, regular, ou des saucisses. Regular sausage meat. That you can buy everywhere. C'est légèrement concassé. At the grocery. Hop, on met ça dans un cul de poule. We put it in the bowl. Alors c'est une recette à base d'huîtres qu'on va goûter là. C'est des huîtres un peu spéciales. Elles ont une drôle de tête, vos huîtres, chef. Oui, non. Hein, je ne sais pas si les huîtres de La Rochelle, elles sont toutes comme ça. Mais... Je vais vous faire voir en fin de compte. C'est des huîtres un peu spéciales. C'est des huîtres très, très particulières puisqu'on a un atelier des coquillages. Ah. Et on fait des huîtres hors coquille, en fait.
So this recipe will be made with oysters. This bonus recipe, now that you've done, everyone. And I'm making fun at Chef Joanne, saying, oh my God, the oysters look very funny at your place. And he's like, no, don't worry. They're very special oysters. They're in the fridge. We're going to grab them right now. C'est marrant comme vous avez fait cuire la chair à saucisse. Oui, parce qu'en fin de compte, si je l'avais mélangé dans la casserole, ouais, on aurait eu une espèce de chapelure de viande. Et le gras serait tout parti. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est quelque chose de très gourmand, en fait. Et on veut garder le gras. Ouais, on veut garder le gras. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie, voilà. Exactement. À tel point que je vais à peu près prendre du beurre, temps pour temps. Oh, and you're going to put butter, some butter, lots of butter, almost the same amount of butter than the amount of sausage meat. Tu mets des gants? Ça pourrait presque être du cognaman. Ouais. Non, je dis ça pour notre ami qui est là. Beurre doux? D'ici. Non. Beurre doux. Beurre doux. Puisqu'on a déjà quelque chose assez sec. Tout à fait. Tu peux mélanger? Donc là, on va rajouter encore un peu de beurre. Tu mélanges bien, n'hésite pas. So we're mixing everything. Faire comme une petite farce, en fin de compte. It's going to be just like a little stuffing. Well, Thanksgiving's coming. Hop. Donc en fait, la chaleur de la viande est en train de fondre le beurre. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut mélanger énergiquement. So pour pas que ça fonde de trop. Energically. Énergiquement, hein. Énergiquement. Là, on rajoute du persil. We're gonna add some parsley. C'est le principe un peu d'une crépinette. Just like a thing we call crépinette. C'est une spécialité bordelaise. Which en fait. Is a specialty from Bordeaux region. So the parsley with the sausage meat, voilà, and the butter. Oui, parce que c'est vrai que votre restaurant, chef, il est au confluent en fait de toutes ces influences-là. Ouais. Je rajoute un peu d'échalotes et de ciboulette qui me reste de tout à l'heure, un peu de poudre d'amande, ça va faire un peu de liaison. Almond powder here, we're adding, plus chives. Et un peu de moutarde. Plus mustard. I'm starting to love this. Là, ça commence à ressembler, ouais, à quelque chose d'assez terrible, à mon avis. Hein. Tu vas voir, c'est... Ah, je suis sûre. C'est bon. Sûre et certaine. Merveilleux. On a des glaçons par là ou pas? Les pas chatons, sûr. On a besoin de glaçons. Votre mission... Des glaçons dans un cul de poule. Votre mission est de ramener des glaçons dans, voilà, un cul de poule. Tant, 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 tant. Alors, je vous montre les fameuses huîtres. So now, let me show you the oysters. They're very special. You've never seen oysters like this before. Voilà. And voilà, et voilà, de l'autre côté. Donc, ça, c'est de la marée Oléron. Ah, pardon. So it's coming from the La Rochelle region. C'est ça. Ah, non, mais je vais traduire marée Oléron en oui, anglais. Marée Oléron. Ouais. Voilà. OK. Donc, c'est fait à La Rochelle. C'est moi qui fais. Vous fabriquez les huîtres? Oui, je ne fabrique pas les huîtres. Je les décoquille dans un atelier. Donc, on a un agrément pour ça et on commercialise donc des huîtres sans les coquilles. This is a product that chef dans un cul de poule. Joanne Leclerc is actually making himself. Il n'y en a plus. He's got a wash. And I'm like, wow, are you like giving birth to the oysters? He's like, no, no, no. We have non. A workshop. Tiens, we take the oysters off their shell. Tu me le rinces et on met and la we glace sell dedans. Them like this without the shell. Chef, pardon pour ma question oui. Volontairement provocante, oui, mais non. Quel est l'intérêt? L'intérêt? Pas d'accident? No accident, of course. Well, no accident. Pas de temps passé? Oh, it goes faster, yes. L'encombrement? Il faut 10 kilos d'huîtres. It takes less place, of course. Il faut 10 kilos d'huîtres pour faire 1 kilo de chair. 10 kilos of oysters with the shell for 1 kilo of just the flesh. Voilà. Et après, il n'y a pas le plaisir de les ouvrir avec les amis, un petit oui, coup de mais blanc là, et tout. Oui, mais là, c'est pas du tout l'idée. C'est pour mettre dans une préparation. Donc, voilà. Ok. Ok. I'm complaining. Oh, come on, it's fun opening up the oysters with your friends and white wine. And he said yes, but for cooking, you don't always have time to sit down, take apéro with your friends. You want it to go fast, and that's why this product is really, really interesting. Alors ça, c'est de la grosse, très grosse huître. Hein. C'est so this c'est one du is 1. Really, really big. Du 1 à 0, en fait. The size is voilà. 1 or even 0. De because aussi. You know there are codes for the size of the oysters.
So ouais, the code for this is actually the larger oysters you can find in this region. La mission est accomplie. Les glaçons sont arrivés. Félicitations. Vas-y, c'est bon, là. Non, mais ils sont formidables. Hein. On peut tout leur demander. Voilà. C'est magnifique. Donc, on allez, a nos tiens, glaçons. Regarde, tu lui mets les fesses dans l'eau. Comme ça, ça va refroidir. Et tu continues à mélanger. Et là, on va couper donc, des huîtres. Now we're going to cut the oysters in two. Watch this very carefully. You're not going to see it on every day. Donc, c'est des huîtres qui sont plus facilement utilisées pour faire du tartare. Bah, évidemment. That's some kind of oysters you would use for oyster tartare, attention, for example. Pas mettre d'eau dedans. Et donc l'eau, c'est de l'eau, l'eau de mer. L'eau, c'est de l'eau de mer. Donc dans la marquette, il y a deux produits, so des huîtres et de l'eau de mer. C'est yeah, tout. In this, you have two different products. You have oyster, seawater. That's it. That's all. And that's enough. Mais c'est bien suffisant d'ailleurs. Ouais. Et on a 7 jours de DLC. So we have 7 days. It's good for 7 days. Chez le client. Okay, once you buy it, you bring it at home and you have 7 days in front of you for using them. Puisqu'on livre Macao, Hong Kong et on livre le jeudi. And they do deliver. They deliver in Macao, they deliver in Hong Kong. And so for example, they deliver on the Thursday. Et donc ça et ils en ont jusqu'au jeudi. And they can keep it for a week. On importe ces huîtres-là à Macao et à oui, Hong Kong, c'est tout dingue. À fait. Ils n'en ont pas ben, pas dans la marraine Oléron. Ah, c'est vrai qu'elle est quand même particulière. Hein. Oui, la marraine, c'est quand même une super huître. Hein. Marraine Oléron is really a haute couture kind of oyster. It's very, very special. So that's really a gourmet product here. Et vous en vendez aux consommateurs comme nous? Non, peu quand même. C'est d'accord. Principalement les chefs. Hein. So the greatest chefs like to buy this... Voilà. Oyster without the shell. Voilà. Donc ça, c'était la petite publicité pour mon produit. Parce que mais personne fait ça par vous. Non. Nobody does that besides him. Nobody does premiers. This product besides Chef Joanne Leclerc. Wow. On est les premiers à faire cette chose. So they're the first to do this. Alors j'imagine moi la tête de la machine. C'est à la main. Non. Mais tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Oui, c'est fait à la main. C'est génial. C'est fait à la main, le laver à la main. I was wondering what ranger kind, à la main, what tout kind est fait of à la main. Machine. Non, il n'y a pas de machine. Would the engineer non. invent to take off the oyster of the shelf? He said no machine. Everything is made by hand. It's a human being opening up the shelf and taking off the billes. You know, and doing everything. Tu peux changer de gants si tu veux. Oui, qu'il n'y en ait plus. Ça c'est impressionnant quand même. On va faire des petites billes avec et on va la paner. On va la frire. This chef is crazy. I love it. We're going to make some balls. Et entre-temps, on va pouvoir goûter ce we're qu'on We're going to make fait. Some balls with this and we're going to fry them. Meanwhile, since your fish has marinated, it should be ready. L'idée, c'est de faire des billes. Hop, on va faire... Je vais lui montrer comment on fait quelques petites billes. Alors le beurre, ça a fixé en fin de compte la préparation. Eh ben, ça tousse là. Hein. Hop. On fait une petite bille comme ça. Ok, comme ça. Et après, je m'occupe du reste. Ça va faire comme une croquette, en fait. Je voudrais bien traduire en anglais, mais bon. Pas de souci. Voilà, je te laisse faire ça. Et après, je reviens. Il y a d'autres gants? On peut avoir d'autres gants, s'il vous plaît? C'est bon. Et là, on fait quoi? Ben, on va goûter. On va goûter notre préparation, là. Alors, pareil, on a suffisamment d'acidité dans le plat pour vraiment absorber le gras. Donc, l'idée, c'est de prendre un peu de tout comme ça. Donc, le poisson, il a cuit. Et c'est merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est goûteux, c'est crémeux. Il y a l'acidité qu'il faut. On peut prendre aussi, avec une cuillère, prendre le beurre et le vinaigre.
Essayez de prendre tous les éléments. Avec une cuillère, ça sera mieux. Ouais. Là, on prend tous les éléments, un peu de guacamole, un morceau de concombre, de cornichon, petit morceau de cornichon, un peu de craquant. Donc c'est vraiment très aromatique. On a bien le goût du poisson, on a l'acidité, on a le côté gras. Et ça, c'est une entrée quand même assez simple à réaliser. Vous pouvez le faire donc avec d'autres poissons. Et l'intérêt de ce plat, c'est qu'en fin de compte, en quelques minutes, on peut faire quelque chose de très visuel et de très, très sympathique à manger. Voilà. Les petits gants, je vous fais la petite croquette. Et vous allez me goûter ça, vous allez me dire que c'est merveilleux. Vous n'avez pas le choix. Si je mets mes gants à l'envers, ça ne va pas le faire. Alors ça, on va paner ça deux fois. J'ai fait une petite chapelure à l'encre de sèche. Pour ça qu'elle a cette couleur. Donc on fait un pain de mie. On fait un pain de mie nous-mêmes, en fin de compte. Et dans le pain de mie, on détend dans le lait de l'encre de sèche au fouet. Et c'est pour ça qu'il a cette couleur-là, le pain de mie. Après, on le fait sécher, on le mixe. Et voilà. Donc là, on passe d'abord dans la farine. Je vais reprendre un autre gant. J'en avais deux, non? Ils sont devant. Non. Ah. So first we put the ball in the flour because we're going to fry them twice. Hop. Blanc d'œuf. White. Yolk. Et après, yeah. Chapelure. Egg white. Non, c'est encre de sèche. Encre de sèche. Octopus. Non. This comes from octopus. What? Octopus, yeah. Later. Elles sont un peu grosses, ouais. C'est un peu gros, ouais. Et on repanne une autre fois. Hop, on retourne dans l'encre. And again in the egg white. And to add a second layer here. Voilà. Tu vas m'aider. Hop, on les passe à la farine. Je suis en train d'en mettre partout, j'aime pas ça. So first flour, then egg white, and then chapelure. On va les faire un peu moins grosses. Hop. Ouais, comme ça, c'est mieux là, dans la taille. Farine, blanc d'œuf, deux fois. Si on panne qu'une fois, ça vient à percer et il y a moins de croustillants en fait. Ils sont combien? 8. Je vais en faire 8 déjà. Ça, c'est vraiment une spécialité, la crépinette, c'est spécialité bordelaise. So that's really a specialty from the Bordeaux region. Tu vas m'aider là. And for sure a specialty of chef Joan Leclerc's restaurant. C'est certainement une spécialité de votre restaurant aussi, oui, chef. Oui, aussi, ouais. C'est une recette que vous avez inventée. Oui, à ça, ouais, par contre, bah, ouais. C'est sûr, ouais. Hein. Vous dites que c'est une spécialité en même temps. Oui, là, c'est une spécialité. Je reconnais vraiment votre signature là. Tu les passes dans la chapelure. Il est où exactement votre restaurant, chef? Il est plein centre-ville de La Rochelle. So his restaurant ça is downtown in La Rochelle, and it's called Et la Suite, and it has a very special history. Tu les prends là. Go see Chef Johan. He will explain you the very special history of his restaurant. Restaurant avec une histoire assez spéciale, ouais, je ouais, disais, ouais. Liée à l'actualité ces dernières années. J'ai dit, mais j'en dis pas plus. Allez voir le chef, allez au restaurant, il vous racontera tout ça. Exactement. Et donc, dans ce restaurant, on mange évidemment, on déguste les produits de la mer. Tout à fait, ouais. On associe beaucoup de produits de la mer et. Terre et mer, en fait. So we love to associate
people from people, yes, and products from the sea, and products from the land. Attends, c'est moi qui les prends pour te les mettre là, sinon on va avoir un souci. Tu vas avoir les mêmes mains que moi après. And now, if you want to taste some of those crépinettes, please come over. We're gonna finish it up. Eh bien, écoutez, chef, pendant que je vous vois finir ça, je vais vous remercier. Bien sûr, pour ce merci. Super coup de cours de cuisine. Thank you very much, chef, for this beautiful cooking lesson. Merci. And we're very excited about tasting those crépinettes. On a très, très hâte de goûter ces crépinettes. On va aller vous voir, donc, à La Rochelle, restaurant La Suite. Très, très belle adresse à La Rochelle. Thank you for being with us on this merci. Morning at the Cial. Merci d'être venu avec nous sur le Cial. On revoit cette recette, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube. Du Cial, on peut s'y abonner. Please subscribe to our YouTube channel. Thank you very much. We're going to be soon here for another demonstration. Enjoy the Cial. À bientôt. Profitez bien du Cial. C'est là. Et bonne dégustation. Ah, désolé.